Les activités économiques des riverains du chantier de construction du pont de Bambeto sont fortement impactées depuis le démarrage du projet pour cause. L'accès qui mène directement devant les boutiques et magasins de vente des pièces détachées et autres articles est bloqué. Cette situation occasionne une diminution de façon drastique de la clientèle. Boubacar Baldé, vendeur d'outils électriques, a vu ses chiffres d'affaires baisser ces derniers temps. Depuis que les travaux ont commencé ici, il n'y a pas beaucoup d'activités qui traînent par là. Il y a la circulation qui est coupée de deux côtés, en rentrant vers Marifala là-bas et à la sortie vers le cimetière. C'est de temps à autre, quand il y a beaucoup de bouchons, ils libèrent, les véhicules passent un peu, après ils referment aussi. Par rapport aussi à la baisse des activités, nous souffrons aussi beaucoup à cause de la poussière qui se dégage. Car les gros porteurs viennent apporter des matériels pour le chantier. Ça dégage beaucoup de poussière, comme vous pouvez le constater sur la marchandise. On a sensibilisé la société. Ces derniers temps, ils viennent arroser un peu. Ce qui reste maintenant, c'est la baisse des activités. Parce que le client, beaucoup se sont découragés pour venir ici. Si tu as un véhicule, tu viens, tu ne peux pas te garer. Donc, garer à une distance un peu loin, marcher jusqu'ici, beaucoup se sont découragés. Maintenant, ils partent vers Madina ou bien à Sonfonia. Voilà, le chiffre d'affaires quand même a beaucoup baissé. Je dirais de 30 à 25% d'avant le début des travaux. Et comment vous vous en sortez aujourd'hui? Ah bon, comme vous savez, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Mais les clients fidèles nous appellent, on fait des livraisons des fois. Des fois aussi, on passe toute la journée ici, ça n'a rien à voir. C'est le même son de cloche pour Mamadou Djoul de Barry, vendeur de pièces détachées. Il nous apprend que certains de ses voisins ont quitté pour trouver d'autres places ailleurs afin d'échapper à la rareté des clients du côté de Bambeto. Sardi moto ha ko police be wonno men kan kan jabbe moto no yittina woti o yildo ta ha o be wona obligé be hula ta be arta o sanji man gamo ya affaire ngure on ko no woni rani on on ngure on si tay woni client on sonji ko ande ara ngure on don hay se landa ke en ande ara bitte se da bitti ko bay tun gawo da on da don awa ta wi don hay ande let ma do wo ara ko sabu dum buya men do buida be place jeegi men tigi men en gollawo. Mamadou Aliou Diallo est rentré du Maroc il y a quelque temps. Depuis un certain moment, il gère un conteneur de vente de pièces détachées pour véhicules. Il préfère garder son mal en patience avant la fin des travaux de construction du pont de Bambeto. O managi fi makala wa dirini onti ko munyo paske ka di plan ka di elahi budenini ayi ayne ayu de do ya sinjo plas go ka di nokugo no metti fi seda yo nonti vo mie ko onti jodo do pasanto. Tierno Ousmane Barry, également vendeur de pièces de moto, observe une lenteur des travaux de construction du pont de Bambeto. Il demande à l'État de mettre la pression pour une accélération des travaux. Wana no golle den fuddori ni meden weltori fota non ko woni tum meden yidi ko yaawata buri ni meden tori be yobe beeda me yagnude golle den be beeda tinnaade dabba masinji yeddo di golla ka tawata yaaway hara jama on hetto ko du woni golle den uuyiraano men tanjinor nonon golle den uuya ha e seeda ala yahude ara meden tori be ballal yobe beedu yaawinde golle den. En attendant la fin des travaux ou une reprise de la circulation sur ce tronçon en chantier, les vendeurs qui y sont installés tirent le diable par la queue.